période difficile pour Émilie. Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs peuvent retrouver la candidate de 34 ans chaque lundi soir, dans la saison 6 de Mariée au premier regard M6. Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs peuvent retrouver la candidate de 34 ans chaque lundi soir, dans la saison 6 de Mariée au premier regard M6. La négociatrice immobilière vit son aventure avec Frédéric, qu'elle a épousé dans le cadre du programme à Gibraltar. À lire également Il n'avait pas tort quelque part, Gérard Lanvin dévoile les derniers mots de Jean-Pierre Bacri avant sa mort depuis plusieurs jours, Émilie est touchée par le Covid. Le 9 mai dernier, la candidate expliquait subir des symptômes assez puissants. J'ai une grosse fatigue, je n'en peux plus, je suis épuisée, j'aimerais juste que ça s'arrête. J'aimerais que les épreuves s'arrêtent. J'aimerais juste retrouver une vie un petit peu normale, je voudrais être avec ma fille, confiait-elle en pleurs. Malheureusement, son état de santé ne semble pas s'améliorer. Ce dimanche 15 mai, Émilie a de nouveau pris la parole via son compte Instagram. J'ai toujours les symptômes, j'ai beaucoup de douleurs. Ça me fait très mal. J'ai tous les symptômes. Ça ne se voit pas mais je tremble. Il faut bien que je m'occupe de Lina, je n'ai pas le choix, mais c'est très dur. Je suis vraiment mal. Des fois je ne tiens même pas debout, explique-t-elle. Des fois je ne tiens même pas debout, explique-t-elle. À lire également un malaise insoutenable, l'intervention et le twerk d'Adil Rami au trophée UNF peu dézingué par les internautes, vidéo, Émilie a également évoqué sa petite fille Lina, touchée elle aussi par la maladie, malgré toutes les précautions qu'elle a pu prendre. C'est de la diarrhée, des pics de fièvre. Quand elle marche mal. C'est hyper compliqué. Je suis stressée et angoissée, ajoute-t-elle. Aurélien Gaucher.